Nous sommes actuellement à la prairie de Torcy où l'on termine de désinstaller les dernières tentes. Alors, quels enseignements peut-on tirer de cette 87e édition de la foire agricole et commerciale? Les points positifs, les points négatifs, on vous dit tout. Alors, on va commencer par le positif déjà. Donc, la 87e édition de la foire agricole se déroulait du 8 au 10 septembre. Donc, elle s'est terminée ce dimanche soir. Et pour les points positifs, c'est que cette année, la foire était, on va dire, étalée sur une plus grande partie de la prairie de Torcy, avec notamment les chevaux de trait ardennais qui étaient installés de l'autre côté de l'Arche. Plus de 250 chevaux de trait ardennais étaient présents durant ce week-end de foire. Et puis, un point positif, on va dire, est négatif aussi dans le sens où le beau temps cette année a répondu présent. Le gros point négatif, c'est certes, comme je l'ai dit avant, il faisait beau, mais il faisait aussi trop chaud. Donc certains visiteurs nous confiaient justement qu'ils venaient notamment le matin, on va dire, à la fraîche et repartaient l'après-midi chez eux car il faisait trop chaud. À la prairie de Torcy, il y a très peu de points d'ombre. Donc les familles se sont plaintes de la chaleur et les animaux aussi en ont souffert. Si la foire agricole est terminée, la foire commerciale continue de battre son plein dans les rues de Sedan. Oui, elle va fermer ses portes d'ici à quelques heures. Et on vous propose de faire un bilan de cette foire commerciale, la 87e édition, les points positifs et les points négatifs. Les points positifs de cette foire commerciale, selon toi? Écoute, regarde autour de toi cette place Alsace-Lorraine qui revit, qui à nouveau est occupée par la centaine d'exposants qui, souvenez-vous, l'an passé ne pouvaient pas occuper cette belle place pour cause de marché provisoire. On n'a pas eu de pluie quasiment. La place d'armes, la fameuse place d'armes qui a fait débat tout au long de cette foire commerciale. Pendant les 6 jours, c'est beaucoup revenu. Le manque d'animation, le manque d'exposants. Est-ce qu'il y avait mieux à faire, en tout cas, pour que cette place d'armes prenne plus d'importance durant ces 6 jours de foire commerciale? La place d'armes, la fameuse place d'armes qui a fait débat tout au long de cette foire commerciale. Pendant les 6 jours, c'est beaucoup revenu. Le manque d'animation, le manque d'exposants. Est-ce qu'il y avait mieux à faire, en tout cas, pour que cette place d'armes prenne plus d'importance durant ces 6 jours de foire commerciale? Et dans quelques heures, la foire commerciale va fermer ses portes. Il vous reste peu de temps pour faire les dernières bonnes affaires.